Alors, comment gérer le retour des haut-parleurs sur les microphones? Alors, on a une salle avec un locuteur quelque part et un récepteur ailleurs. On a une fonction de transfert donc du locuteur vers le récepteur, l'auditeur. On ajoute une chaîne d'amplification, un micro, un ampli, un haut-parleur. L'auditeur, bien sûr, entend le haut-parleur. Mais le microphone aussi entend le haut-parleur, donc il y a un retour du haut-parleur vers le microphone. Si on garde la dépendance fréquentielle de ce retour du haut-parleur vers le micro, eh bien on obtient une forme assez compliquée qui est le résultat de toutes les résonances de cette salle. Et cette forme compliquée se caractérise en particulier par le fait que l'écart entre les pics les plus élevés, ici à peu près à 1 kHz, et la moyenne, ici les courbes en rouge et en bleu, est d'environ 10 décibels, quel que soit d'ailleurs le temps de réverbération de la salle. Alors, à partir de là, si je référence le gain d'amplification au phénomène d'instabilité, c'est-à-dire à l'effet Larsen, et donc que j'appelle 0 décibels, je référence 0 décibel à l'apparition de ce Larsen. Les études ont montré qu'il faut au moins 6 décibels de marge par rapport à ce phénomène de Larsen pour éviter des colorations audibles. Il faut donc que je règle mon gain de sorte que je sois à plus de 6 décibels de l'effet Larsen. Alors écoutons ce que ça donne. Voilà, donc là, on a très peu de coloration, normalement une coloration qui n'est pas audible. Si j'augmente mon gain, je vais passer au-dessus de cette limite de 6 décibels et une certaine coloration va apparaître sous forme d'une traînée un peu tonale à la fin de la réponse impulsionnelle. Je continue à augmenter le gain, donc j'approche le seuil d'instabilité, la coloration va être plus forte. Voilà, je l'augmente encore. Cette fois-ci, je suis au seuil d'instabilité, donc je vais avoir cette traînée, ce sifflement à la fin de la réponse impulsionnelle qui durerait de manière infinie. Et bien sûr, si j'augmente encore le gain, à ce moment-là, je vais devenir instable, c'est-à-dire je vais avoir apparition d'un effet Larsen. Ok, alors pour gérer ce problème de l'effet Larsen, de ce retour des haut-parleurs sur les micros, quelle est l'influence des microphones et des haut-parleurs? Alors je me place dans le cas où j'ai un microphone, un haut-parleur et je règle mon gain en observant cette règle des 6 dB, donc pour ne pas avoir de coloration. Maintenant, si j'ajoute un microphone, eh bien les deux microphones à eux deux captent 2 fois plus d'énergie qu'un seul et donc je réduis de 3 décibels. Mon seuil par rapport à la coloration. Si j'en ajoute un troisième, un quatrième, etc., ça ne fait que dégrader la situation. J'ai de moins en moins, enfin de plus en plus de coloration. La conclusion, c'est que j'ai intérêt à utiliser le moins possible de microphones. Et c'est le même phénomène avec les haut-parleurs. Si j'ajoute un deuxième haut-parleur, je rayonne 2 fois plus d'énergie, donc il y a 2 fois plus d'énergie dans le retour sur les micros, 3 fois plus s'il y a 3 haut-parleurs, etc. Et donc la conclusion est la même, j'ai intérêt à limiter au maximum le nombre de haut-parleurs. Alors résumons tout ça. La première règle que nous avons vue, c'est que pour traiter ce problème de retour et de Larsen, je vais essayer de limiter au maximum le nombre de microphones en fonction. Deuxièmement, je vais essayer de réduire autant que faire se peut la distance entre le locuteur et le microphone, de manière à ce que le microphone capte plus d'énergie, donc je puisse baisser le gain G, et donc baisser le Larsen, le retour Larsen. Je vais pouvoir éventuellement utiliser un microphone plus directif, donc qui va capter moins de retour de réverbération de la salle. Je vais bien sûr utiliser un ensemble de haut-parleurs, éventuellement un réseau de haut-parleurs dont la directivité est contrôlée de manière à envoyer de l'énergie sur les auditeurs, là on en a besoin, et pas d'énergie ou le moins possible dans la réverbération, c'est-à-dire dans ce qui va revenir sur les micros et créer l'effet Larsen. Je vais utiliser
une égalisation de cette transmission et éventuellement un algorithme qui réduit le retour des haut-parleurs sur les microphones. Je peux aussi éventuellement utiliser un annulateur d'écho qui va lui aussi réduire ce retour sur les microphones.